Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous de rentrer la caillou avec tout ça qui a dominé l'actualité football là pour nous commencer dans le pays. L'Italie côté Romelu Lukaku qui rejoint officiellement l'équipe Inter de Milan en forme de prêt. Nous parlons tout le pays d'Espagne avec Jonas Sa qui vient avec top joueur qui prend libre demain si Dieu veut sur le marché transfert là. Selon information qui est relayée par journaliste haïtien Caleb Jefté et bien Stevenson jeudi qui gagne 3 gros clubs qui intéressent ensemble avec lui. Bon côté FC Barcelone gagne un pile joueur que Xavier Hernandez décide pour le parler pour reprendre entraînement avec l'équipe FC Barcelone. Et bon côté par Ousmane Dembélé jeudi à ses jours J pour lui pour décider est-ce qu'elle a prêté ou bien est-ce qu'elle prend les libres dans n'importe l'autre club. Et bon côté par nous parler toujours dans le pays l'Espagne avec Jonas Sa qui fait connaître que Dani Ceballos est tout près équipe Betis de Séville là. Après tourner dans le pays l'Angleterre côté Jonas Sa fait connaître l'équipe Chelsea a renforcé en défense notamment avec Kalidou Koulibaly. Et nous parlons tout avec l'équipe Paris Saint-Germain lui-même selon le journal Le Parisien qui a mis d'accord avec Neymar Junior son séparation. C'est une vidéo qui tient tout ça qui a dominé l'actualité football en la tournée après pour ça pour nous porter tout le détail pour. Commencer l'actualité avec Mercato en image. Une très bonne nouvelle pour Stevenson jeudi. Selon l'information, Caleb Jefté lui en exclusivité. Il y a 3 clubs qui t'a vraiment intéressé avec attaquant haïtien. Le journaliste là qui révélé en exclusivité. Il y a 3 clubs qui c'est Dijon qui a joué dans le pays de la France dans la 2e division. KVC Westerlo qui a joué dans la 1e division dans le pays Belgique avec FC Vizela qui a joué dans la 1e division dans le pays Portugal. Tous les 3 clubs ça ont vraiment intéressé et a discuté avec entourage joueur pour qu'il y ait un service. Li. Nous parlons dans le pays d'Angleterre avec Richarlison lui-même qui engagé officiellement avec l'équipe Tottenham Hotspur là. International brésilien qui quittait définitivement l'équipe Everton pour engager avec les Spurs. Bon côté parler mais officiel également Romelu Lukaku retourne dans l'équipe Inter de Milan. International belge a parlé pour porter numéro 90 dans le club si là elle retourne un an après qu'elle ait fini quitter l'équipe Inter la direction équipe Chelsea. Là. L'équipe Inter là qui déboursé 10 millions d'euros pour le jeune international belge là en forme de prêt. Dans le sens de départ, et bien Alvaro Morata lui-même officiellement équipe Juventus là lui remercie lui puisque lui peut retourner dans l'équipe Atlético de Madrid là. L'équipe tape jeune vieille dame en forme de prêt et mais équipe Juventus là qui pas décidé élever option d'achat. Toujours dans le sens de départ, il y a un club Juventus de Turin qui remercie également international argentin. Nous voulons parler de Paulo Dybala. Après plusieurs années que international argentin passe dans le club turinoise là et mes contrats qui rivaient à thème et que pas junior en tant que protégé à renouveler contrat si là. Côté parler toujours dans le mercato en image, Luis Campos qui est directeur sportif équipe Paris Saint-Germain, il a préparé pour faire premier recrutement ligne. En effet, il y a Vitinha qui est international portugais qui a joué dans FC Porto actuellement qui a passé visite médicale avec équipe Paris Saint-Germain pour faire un contrat officiel. On commence la revue de presse en Amérique du Sud là avec la Copa Libertadores dans un duel qui était 100% argentin. Journal Olé Limli vini avec victoire équipe Vélez Sarsfield là sur l'équipe River Plate là, un goal à 0. Et bon côté parler toujours dans Libertadores là, l'équipe Flamengo qui veut imposer à l'extérieur dans le pays Colombie, un goal à 0. Un goal qui était marqué par Andrés Pereira et le journal Odia qui mettait à la une une victoire avec un gros goal. Mais attention, puisque le journal Sali même qui mettait à la une un gros goal pour le capable dire adieu avec l'équipe Flamengo. En effet, Andrés Pereira lui-même qui s'est joué équipe Manchester United là, que l'équipe Flamengo a été prêté, elle n'a pas décidé de lever option d'achat qui 3 euros pour eux. Mais il parle bien pour retourner dans le club mancunien après goal ça et après victoire ça que le bail équipe Flamengo. Mais résultat hier au complet, et Palmeiras qui débat 0 pour Tonio, 3 goals à 0, un goal partout, Tadjanes Cordoba fait avec Colón et Flamengo qui veut imposer un goal à 0. Et bon côté, Vélez Sarsfield qui bat River Plate, un goal à 0. Juste avant que nous entrions en Europe, qui te nous pose une question, est-ce que tu as songé pour te mettre un like à la vidéo? Si vous faites ça, qui soit, mettez un like, Kounia, ça va vraiment encourager nous pour nous porter plus de vidéos pour vous. Et n'a pas sur votre abonné avec page Facebook là, fais ça qu'on y a abonné avec page là, like page là et partagez vidéo ça dans tout groupe sur Facebook là. Et si vous faites ensemble avec nous sur YouTube là également, n'a invité pour que vous cliquez sur le bouton qui va vidéo à qu'on y a pour que vous abonnez et activez la notification. Mettez sur tout. Et vous faites ça chaque jour pour recevoir tout ça qui a dominé l'actualité football là avec résumé goal. On commence la vidéo de presse là en Europe dans le pays l'Angleterre avec Jonas Sa qui fait qu'on est que Chelsea qui ont peur pour Rafinha. En effet, si l'équipe Chelsea a gagné un accord avec l'équipe Lidza à la hauteur de 65 millions de livres environ, mais quand même gagné Rafinha qui peut combattre OK avec l'équipe Chelsea. Le journal là qui fait connaître que Chelsea lui-même qui entraîne la lutte là avec Arsenal et Barcelone également pour le service international brésilien. Et
bon côté pas les gain journal Daily Mirror qui fait connait que équipe Chelsea a également li pral renforcer dans défense là notamment avec Kalidou Koulibaly après que Rudiger fin quitté équipe ça et Christensen également international danois qui tout prêt pour cabo jeune équipe FC Barcelone. L'équipe Chelsea a une obligation pour le cap travail en défense et a fait de priorité au Kalidou Koulibaly qui a joué l'équipe Napoli. Nous parlons dans le pays la France avec le journal Le Parisien qui a eu un bon matin pour le faire connaître que Neymar envisage un départ cet été. En effet, international brésilien, puisque il apprend dans la presse que le président de l'équipe Paris Saint-Germain a fait connaître qu'il pas voulait bling bling dans l'équipe Paris Saint-Germain encore. Mais il s'est-il concerné par déclaration si là, mais définitivement il a vu d'accord pour le cap quitter l'équipe Paris Saint-Germain. Hein? Et la page intérieure du journal qui précisait comment le Paris Saint-Germain et Neymar préparent leur divorce. Une séparation semble inéluctable entre le numéro 10 brésilien et le club de la capitale. Reste à lui trouver une porte de sortie. Chelsea pourrait devenir l'un des prétendants pour l'accueillir la saison prochaine. Le journal qui précisait que c'est l'équipe Chelsea à lui-même qui a accueilli international brésilien, mais c'est pas un bagage qui a fini puisque ça a feuilleton un mercato estival ça. Nous parlons également d'un pays, l'Italie, avec le journal Papier Rosla qui mettait à la une Lukaku, la fièvre à 90 degrés. En effet, Romelu Lukaku qui retournait officiellement dans l'équipe Inter de Milan côté Parisien pour le porter numéro 90 dans l'équipe si là. Mais il fait promesse avec Tifosi, équipe milanaise pour faire connaître qu'il peut le porter un pile goal pour eux. Toujours dans le pays l'Italie, il y a un journal Corriere dello Sport qui reprend une déclaration Lukaku pour le faire connaître que c'est ici à moins centime la caille. Mais Lukaku lui-même qui déjà rejoint l'équipe ça et pour le faire connaître qu'il y a une promesse pour le marquer un pile goal pour l'équipe ça pendant la saison qui va venir là. Et bon, côté par l'équipe Juventus là également, il a préparé sous mercato puisque le journal ça lui mettait à la une la Juventus totale. Mais après avoir sous dossier Delight là, lui-même qui t'a supposé quitter l'équipe là, mais quand même équipe Juventus là qui réclamait clause libératoire lui. Et Paul Pogba lui-même qui prend ligue de tout contrat à partir de minuit à soir et notamment avec entraîneur lui-même qui c'est Massimiliano Allegri qui déjà renouvelé avec l'équipe si là. Mais quand même, journal là tout qui parlait de l'intérêt de la vieille dame pour Paris Destinium qui s'est joué équipe Paris si jamais. Et nous avons un mercato toujours dans le pays Portugal avec le journal O Jogo qui mettait à la une Vitinha. C'est un dossier qui déjà fait pour l'équipe Paris si jamais. Un dossier qui déjà fermé puisque c'était une réunion à Paris qui déjà mettait tout le bagaille au clair pour international portugais qui a débarqué en France. Ce journal a précisé que le joueur lui-même, après que Téfin fait réunion, ça a été débarqué immédiatement dans le pays de la France. Mais je dis à Palguin pour passer visite médicale et signer un contrat officiel avec l'équipe Paris si jamais. Nous parlons dans le pays d'Espagne avec le journal Estadio Deportivo qui mettait à la une un architecte infatigable. Le journal qui précisait que bien que Dani Ceballos ait obtenu une dernière rencontre avec Ancelotti, mais quand même dans l'équipe Real Betis, il y a une famille qui était obtenue. Mais définitivement, il y a vraiment une bonne relation que l'équipe Betis a partagée avec l'équipe Real de Madrid pour faire difficile à concrétiser. Et nous parlons de bon côté équipe FC Barcelone avec le journal Sport lui-même qui mettait à la une le jour J pour Ousmane Dembélé. Mais je dis à minuit, s'il peut renouveler le contrat avec l'équipe FC Barcelone, il sera libre de tout contrat sur le marché. Hein? À quelques heures pour le cas libre, mais le journal là qui fait qu'on est que Ousmane Dembélé, équipe FC Barcelone, toujours attend réponse dans la même sous décision finale. Li. Mais en même temps, l'équipe FC Barcelone était déjà rencontré avec agent Rafinha qui s'est déco pour le cas une décision finale. Mais il fait le journal là qui précisait que international brésilien lui a prétendu FC Barcelone malgré gros offre que l'équipe Chelsea a fait pour lui. C'est notamment ça qui fait la une dans le journal Mundo Deportivo dans la version basse là qui mettait à la une Rafinha a approché le pourtant Dembélé lui a éloigné du FC Barcelone. Et bon côté parler dans la version catalane dans le journal Mundo Deportivo qui mettait à la une des joueurs qui déconvoquaient avec l'équipe FC Barcelone. Parmi eux, Umtiti, Minguenza, Ricky Puig avec plusieurs autres joueurs encore qui concernaient puisque Xavi lui parlait pour pré-saison et au pape débarqué avec l'équipe Barcelone dans le pays les États-Unis. Xavi qui préférait quitter tant ça avec joueur ça pour chercher un nouveau club pour eux. Toujours sous joueur qui a quitté l'équipe Barcelone dans l'anglais lui-même selon le journal Les Sportifs, équipe Tottenham n'a vraiment intéressé ensemble avec lui. Il a étudié un prêt l'année équipe FC Barcelone pour international français. On continue avec revue de presse à bon côté, journal Aslien qui mettait à la une des rebaissements de luxe. En effet, Mercato là qui a avancé et notamment à minuit en Europe, il y a un pile joueur qui prend libre sous marché. Bien que il y a un pile ladder qui est un pile prétendant, mais quand même, il y a un pile ladder tout qui prend rester pour chercher l'autre club. C'est vraiment un pile joueur de luxe, notamment Sincarab City. Et bien, il y a Angel Di Maria, Paolo Dybala, Ousmane Dembélé, Isco, Luis Suarez, Paul Pogba. Et nous avons visé au sac et une vidéo spéciale que nous pourrons faire top 10 joueurs qui libre sous marché qui peuvent sortir demain si Dieu veut. C'était un gros plaisir pour nous pour nous porter tout ça qui a dominé l'actualité football là. Nous espérons que vous avez partagé la vidéo ça. Sous votre confesse, partagez le coup de ça vraiment encourager nous et ça aider à arriver plus loin que possible.
Quant à pour nous même nous à la prochaine bonne vidéo. C'est un plaisir pour nous songer pour préparer notre pour retour Christ là, c'est un baraque qui est essentiel.